Bon, salut tout le monde, je vous retrouve très très bien, c'est Flammeur Funambule. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comment utiliser sa manette Switch sur PC? Donc, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et on se retrouve tout de suite. Donc, pour commencer, vous allez aller dans la description et cliquer sur le premier lien. Voilà. Quand vous serez arrivé sur la plage du lien, vous descendrez. Jusqu'à Donald. Donc vous cliquerez Go to the release tab. Quand vous êtes arrivé sur cette page là, vous allez descendre et télécharger Bitterjoy v7.1.zip. Quand vous le téléchargez, nous allons aller dans le menu et là. Donc quand vous aurez extrait les fichiers, et bien vous aurez cette petite application ici. Donc quand cela est fait, vous allez votre manette et votre câble normalement fourni avec la manette quand vous l'aurez acheté, vous allez le brancher et jusqu'au PC. Donc vous branchez le PC et vous démarrez l'application si ça veut bien. Donc quand vous aurez démarré l'application, là ça vous met rien, c'est normal, vous aurez juste à brancher votre manette. Et voilà. Donc là, ça vous met le petit carré vert tout simplement. Et pour savoir si c'est bien bon, normalement sur votre manette, il y aura la petite LED bleue qui est allumée. Voilà, autour de votre bouton Home. Si cela ne marche pas, eh bien c'est très simple. Donc vous aurez juste à aller dans Ajouter un appareil Bluetooth ou un autre appareil. Et après, vous aurez juste à appuyer longtemps sur le petit bouton à côté de votre charge. Et quand ça vous affichera Pro Controller, eh bien, vous aurez juste à connecter. Et quand ça vous dira coupler, c'est bon. Donc après, vous aurez juste à retourner sur l'application et à rebrancher votre manette. Et normalement, ça sera bon. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker.